patience. On est bientôt de retour. Ils sont très heureux. On n'a pas l'impression comme ça, mais ils sont très contents d'être là. Ils ont eu un peu froid, mais ils sont très heureux. Ils ont aussi des familles, il faut les comprendre. Ils ont des programmes qui sont extrêmement chargés. On dit souvent des footballeurs que ce sont des abrutis. Je vais vous donner, je suis la preuve vivante que ces garçons-là ne sont pas des abrutis. Tout sauf des abrutis. C'est des garçons extrêmement sensés et surtout extrêmement généreux. Voilà. J'ai plaisir à les coacher, j'ai plaisir à être entouré de mes adjoints. Le TFC forme très bien ses joueurs, donc c'est l'occasion pour moi de remercier tous les formateurs. Et puis, je vais faire la transition parce que je sais ce qu'est un club amateur et je voudrais remercier tous les bénévoles qui sont ici, tous ceux qui œuvrent tous les week-ends, tous les mercredis, au service de la jeunesse, ce qui permet à notre pays d'être un peu moins sombre qu'il n'en nous en donne l'impression. Voilà, grâce à vous, on tient à peu près debout, grâce au sport, grâce à tous ceux qui œuvrent dans les associations. Notre pays tient encore à peu près debout. Voilà, c'était mon avis. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je suis d'accord avec les coprésidents pour revenir le 15 mai, à la seule condition, c'est que l'élu qui est ici représenté se fasse l'écho auprès de la mairie pour que le club de Lavaur ait très vite un terrain supplémentaire. Donc si d'ici le 15 mai... vous avez fait avec votre conseil, votre maire et les adjoints, si vous avez fait une petite réunion pour comprendre, parce que je sais que vous êtes bien sûr tous très conscients de ce que peut apporter le football et la jeunesse à votre mairie, si vous êtes conscients que ça coûte pas très cher si on veut bien aller sur les 40 prochaines années la construction d'un stade de foot supplémentaire pour des gamins, je reviens le 15 mai, j'en prends l'engagement, à condition que ça soit acté, que le terrain se construise dans les années à venir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.